Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau live, cette fois sur la Ligue des Masters. C'est très peu suivi hein, habituellement sur cette chaîne, mais c'est toujours de l'intelligence artificielle. On poursuit avec les joueurs originaux, ce mode qui moi m'intéresse, même si je l'avais laissé un petit peu à l'abandon là depuis quelques semaines. Demain, bien sûr, le gros match hein, à simuler, que ce soit sur PES ou FIFA, on verra, je ferai un vote, parce que bon, FIFA a quand même les licences pour la Champions League. Donc on va voir, en tout cas il n'y aura peut-être pas grand monde sur ce live. Déjà une personne sur YouTube que je salue n'a pas encore commenté. Voilà, je vais aller voir si les paramétrages fonctionnent bien au niveau de cette diffusion. On est aussi sur Facebook, sur Twitch, mais bon il n'y a jamais grand monde non plus. Ça a l'air de marcher le live. Les coulisses de ce live. Alors, est-ce que la diffusion fonctionne? Ouais, ça a l'air d'être bon. Hop. Tout, 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 tout. Voilà, ça c'est le background. Ah, j'ai déjà des insultes, hein, attention. Hein. Yo, Luxus, soumis à mon examen. Coucou, bah ça on affiche bien sûr. On affiche par contre le Enzo, hein, le fuck. On peut masquer quand même, parce que ça ne sert pas à grand chose. Voilà. J-1 avant le gros match. Eh ouais, salut Teddy. Effectivement, je ferai un petit vote sur FIFA ou PES. FIFA quand même la licence. Mais bon, FIFA s'est trompé sur la dernière génération avec la défaite de l'OL. Je suis un peu déçu, hein, vous le savez, je supporte l'OL. Donc voilà. On fera deux matchs hein, sur cette Ligue des Masters avec Toulouse et le Paris FC. Je pense que jusqu'à 18h45. Tu es prêt pour demain? Bah, on est prêt. Hein. Enfin, moi c'est le Paris Saint-Germain face au Barça. Vous voyez, moi, je supporte hein, dans ma bannière. Je ne sais pas si on la voit. Non, c'est comme ça. On voit ma bannière, on voit le Barça, le logo du Barça. Donc, voilà, Paris, c'est vrai que c'est une équipe française qu'on supporte en Champions League. Mais voilà, Barça aussi, hein, Messi, Griezmann, Ousmane Dembélé. Il y a de la qualité, donc voilà, mon cœur va balancer. Mais sinon, tu fais sur les deux jeux, Didier. Ouais, c'est vrai que, mais j'aurais pas la compo. Je peux faire sur les deux jeux, effectivement. Après, je pourrais demander qui aura la primeur des deux jeux d'avoir la vraie compo de départ. Mais bon, c'est vrai qu'on essaie d'être au plus proche du réalisme, mais même si je sais que ça ne vous intéresse pas forcément. L'intérêt pour vous, c'est de voir un match entre les deux équipes, hein, même si je fais le travail au mieux avec les absents, les suspendus et tout ça, ou ça ne vous intéresse pas forcément au mieux. Enzo qui met des cœurs maintenant. Oh Enzo, petit cœur. Oh, cœur de Enzo. Alors qu'il m'avait mis un fuck juste avant. Non mais oh. Paris aura du mal contre Barcelone. Bah, l'inverse, c'est pas parce qu'ils ont gagné 5-1 lors de leur dernier match que... Je crois que c'était 5-1. Hein. Que ce sera un parcours de santé pour le Barça hein, dans cette rencontre au Camp Nou. Retour au Parc des Princes. Hein, ça peut être aussi une victoire du Camp Nou. Puis au Parc des Princes, Paris qui se sublime. Sans Neymar, bon, c'est vrai que bon, ça sera pas facile. Neymar et Di Maria absent. Mbappé doit faire un gros match. Ouais. Ce que j'avais mis sur Twitter. Hein. J'ai mis Twitter, vraiment le joueur qui va devoir et qui sera attendu au tournant. C'est bien Kylian Mbappé. Ah, j'ai eu 18 notifications, moi j'ai pas vu. Ça va venir. Ah oui, mais c'est Pacju qui fait des jeux, mais je ne joue plus trop. Il croit que c'est une histoire avec un but, est-ce qu'il va avoir but et tout. Et du coup, j'ai pas de points, hein. Voilà, je suis 0 points. Et bon, faudrait que j'y rejoue, mais j'ai pas vraiment le temps. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Profil, là. Voilà. C'est quoi que j'avais mis? C'est ici, hein, j'avais mis, regardez-moi. S'il y a bien un joueur du PSG Inside attendu au tournant face au FC Barcelone, c'est Kylian Mbappé. Je vous invite à suivre un petit peu mon Twitter. Hein. Ça fait toujours plaisir de suivre Twitter. Et Kylian, voilà, où je l'ai eu dans mon FIFA 365. J'ai le petit autocollant. J'ai pas mis les notes de Neymar, mais il est largement au-dessus, hein, Kylian Mbappé. Donc voilà, au-dessus de Di Maria, au-dessus de Mauro Icardi, au-dessus de Neymar. Kylian qui brille d'ailleurs. Maintenant, il s'agit de briller dans ce match. Il va falloir briller. Hein. C'est pas le tout d'avoir fait des accélérations face à l'Argentine, d'être champion du monde. Certes, en marquant face à la Croatie magnifiquement, mais voilà, on attend mieux de ce joueur. J'ai mis aussi hein, du côté de cette équipe. Il y a Dembouz, hein, attendu aussi. Hein. Dembélé, hein. J'ai mis un autre Français attendu mardi. Dembouz. Et j'ai mis que pour Antoine Griezmann, bah. De toute façon, je pense qu'il sera au rendez-vous, hein, Griezmann. C'est pas le genre à louper ce genre d'événement. On l'avait vu hein, en finale d'Europa League, juste avant la Coupe du Monde, face à l'OM.
Il avait été très bon, Griezmann. Je pense qu'il dans ses grands rendez-vous, il sera au mieux. Dembélé, voilà, il revient de blessure. Et on attend mieux de lui. Hein. Enzo Decker, salut Baptin. Salut, oh monsieur Caton qui est là. Il est sur Twitch. Ah d'ailleurs, ça fait plaisir. Bon, il n'y a pas grand monde hein, sur Twitch en général. Hey, monsieur Quinton qui se demandait s'il y avait un logiciel pour... À un moment, tu voulais diffuser sur plusieurs plateformes, monsieur Quinton. Bah, je sais pas pourquoi. Bah, en même temps, je connais pas ton prénom, je sais plus. Je pourrais t'appeler par ton prénom plutôt que monsieur Quinton. Mais voilà, bah, j'utilise Restream qui est plutôt pas mal. Alors, je sais pas. Moi, je passe par OBS et ça marche plutôt pas mal. Tu disais que tu avais peut-être des problèmes techniques. Mais bon, moi, tu vois, il n'y a pas, bon, y a pas grand monde. Hein. Je diffuse aussi, tu peux diffuser sur Facebook, mais il faut payer. Je diffuse même sur Steam, hein, mais on voit qu'il n'y a pas de grosse présence, malgré les mots-clés. Voilà, bon, c'est compliqué hein, quand même. Facebook, ça marche quand même pas mal sur certains gros matchs. Mais mon Ligue des Masters n'est malheureusement pas très, très recherché. De toute façon, sur Twitch, hein, si vous allez sur Twitch PES, vous allez voir essentiellement du MyClub. Hein, la Ligue des Masters est périclite. Il y a aussi le mode, l'équivalent de Club Pro, hein, qui est pas mal utilisé avec... un joueur par voilà un joueur manette en main pour contrôler un joueur sur le terrain du 11 versus 11. Mbappé doit prendre la profondeur face à une défense du Barça qui est top. Qui est pas top, pardon. Bah c'est vrai que bon, il y a Umtiti hein, qui a été humilié hein, c'était avant le 5-1. C'était très inquiétant d'ailleurs en voyant et je sais pas qui c'est qu'ils ont aligné le Barça lors du précédent match de la Liga, toutes les compétitions. J'aime bien aller sur Eurosport, hein, veuillez m'excuser, mais bon. La Liga, faut le temps que ça charge, les calendriers résultats, les derniers matchs qui étaient du coup le 5-1 du Barça. L'équipe en place. Bon, il y a des pubs, c'est chiant. Défense De Jong l'anglais. Ah ben voilà. Ça a plutôt été efficace, hein, ils encaissent un but, bon, la 57e. Mais bon, c'est à l'Alavés, hein. C'est pas le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Ça avait fait quand même pas mal tourner. Hein. Mingenza, Firpo. Oui, c'était en prévision du match de Champions League, hein, je pense. Ça a pas mal fait tourner quand même. Donc, on peut pas trop dire. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent sur Eurosport d'ailleurs en principal. Bon, c'est devenu un. Eurosport, c'est devenu un truc où il y a... voilà, tu peux plus cibler le football, j'ai l'impression aussi, peut-être football. Mais sur appli mobile, on peut même plus cibler. Les socios au Barça, modèle économique iconique en péril. Ça va être vendu le Barça un jour, hein, peut-être. 85e, les spectateurs quittaient le stade à Barcelone. Que reste-t-il de la remontada? Bon, c'était il y a longtemps. Hein. Enfin bref. On va passer quand même à cette Ligue des Masters, hein. Doit prendre la profondeur. Ça, j'ai déjà lu. Griezmann revient en très grande forme. Bah, on espère hein, pour lui, hein, quand même, hein, puisqu'il était transféré. C'était un joueur important. Hein. Regardez-moi ça, comme il. Voilà, c'était pour faire venir partir Suarez, parti à l'Atlético, meilleur buteur de la Liga. Voilà, il faut remplacer maintenant. Je suis le petit frère de Le Bouzeux. Très bien, Enzo. Merci pour ces précisions. Le Bouzeux, je sais plus. Ça doit être un youtubeur qui fait des vidéos. Voilà. Je connais pas tous les youtubeurs malheureusement, mais je sais que Le Bouzeux, c'est ça. OM, nul Germain, doit partir. Vous l'avez eu Germain, l'action de Germain sur le 0-0 face à Bordeaux. Oh Germain, accélération, passe. Passe décisive au gardien adverse. Salut, ça va? Une vraie purge Bordeaux-Marseille demain. Bordeaux-Marseille, une... Quoi? Sim? Ben, c'était hier Bordeaux-Marseille, mais effectivement c'était une vraie purge, hein. Bon, bah, Bordeaux, 17 tirs, un tir cadré, voilà. Voilà, voilà. Et Marseille, bon, moins de tirs et un seul tir cadré aussi. Deux tirs cadrés. Voilà, il y avait Durandil qui avait assisté à un match de FIFA où il y avait deux tirs cadrés de part et d'autre, donc quatre tirs cadrés dans le match. Il baillait. Oh, et le match n'a duré que le temps de la simulation. Hein. Alors, 90 minutes avec seulement deux tirs cadrés, tu as envie de te suicider un peu. L'anglais, bien meilleur que Titi. J'espère que Verratti sera... 10 pour garder le ballon au milieu et donner de bons ballons aux attaquants. Bah, il sera pas 10 du coup. Il sera plutôt à la manière d'un Pirlo un peu plus bas. Pas trop bas non plus, pas en sentinelle défensive. Germain Luxus, ça le fait rire. Bon. On va peut-être passer à cette rencontre et ce match. J'espère qu'on m'entend bien quand même. Je sais pas si le son est bon. Ça sature un peu. Je crois que j'ai mis beaucoup trop fort mon son. Je vais baisser un petit peu les dB. Passer à 10. Hop, 10 dB, c'est très bien ça.
Voilà, c'est un peu moins fort. Parce que si je vous explose les oreilles. Je vois une victoire du Barça demain. Et toi, Didier? Bah, à domicile, oui. Peut-être avec des buts à l'extérieur de Paris. 3-2. Allez, 3-2. Ça serait bien. Ça serait bien. Gestion d'équipe, hein, on va passer au match face à Toulouse. Hein. Alors, je vais le rappeler, hein, Toulouse qui est quand même une équipe beaucoup plus forte que la nôtre. Alors, statistique d'équipe, je crois que j'avais mis le stade, je vais vous montrer. Hein. En difficulté face à Toulouse, ça va pas être facile. Toulouse, voilà, 72 en attaque, 69 au milieu de terrain, 3 étoiles, 69 en défense. Regardez notre statistique. Bon, c'est un petit peu gros, hein. On va peut-être baisser un petit peu. Est-ce que tu peux redimensionner? Voilà, merci toi. Voilà. Voilà, si on arrive à gagner face à Toulouse, voilà, moi je serais content. Mais ça sera pas facile. Paris FC, c'est assez équilibré le match futur, mais Toulouse. De toute façon, on peut pas finir troisième, ils sont trop loin le troisième. Il y a combien le troisième? À 8 points, hein, 8 points le troisième Sochaux. Donc voilà, on est bien parti pour bien figurer dans cette Ligue 2 BKT, la montée probable, mais. Ça va être compliqué quand même. Il faudra que je change le Nightbot hein, parce que Utip c'est fini. Hein. Surtout soutenez-moi gratuitement sur Utip, c'est même plus possible. Vous pouvez même plus regarder des pubs. Vous pouvez même plus regarder des pubs pour soutenir un YouTuber en fait. N'hésitez pas à faire un petit super chat, hein, ça fait toujours plaisir. Hein. Sodrud il en a plein lui alors qu'il montre que sa tête. Mais bon, peut-être qu'avec un peu plus d'argent, Sodrud il pourrait même diffuser le vrai match. Il s'est même acheté une maison, il semblerait, grâce à votre argent. Allez, plan de jeu, nous allons voir ce qu'il en est. Bon, toujours le 4-4-2, hein, je vois ça. Les formes sont au rendez-vous pour ce match avec l'intelligence artificielle. On va bien sûr recruter. On voit qu'on est assez pauvre en termes de réservistes. Hein. On a les 8 rempla 7 remplaçants et 3 seulement réservistes. C'est pas énorme. Mais bon, on aura l'occasion, si on figure bien en fin de saison, de recruter Redmond, le MOC, pas mal, à la place de Palister, peut-être. Voilà. Ouais, pas l'histoire qui a pas des grosses notes. Sois pas jaloux, Didier. Quoi? Mais je suis pas jaloux. Tout que tu es jaloux, il fait énormément de vues et c'était pas le même cas. C'est pas le même principe. Moi, je suis avant le vrai match avec un match virtuel. Lui, il est pendant le vrai match, donc plein de gens qui cherchent et sur un vrai match, du coup, en plein milieu, quoi. Du coup, les gens recherchent et tombent forcément sur son live. Quand on est avant, on peut pas avoir la même audience déjà. Puis bon, il fait quand même des statistiques, il montre les paris. Bon, il y a aussi du pari en ligne, je ne vais pas trop en parler parce que je n'aime pas trop faire la promotion du pari en ligne. Je plaisante, je t'adore, Didier. Ah, il est mort de rire. Comme si. Mais si, mais tu as raison, il ne faut pas s'énerver comme ça, mais bon. C'est pas la même chose. On n'a pas la même popularité. Comme quoi, les jeux vidéo, les gens s'en désintéressent. Alors que voir un visage qui n'a rien à voir avec le football, eh ben, au fur et à mesure, à la force de le voir et de voir son commentary, enfin, pas de voir le match du coup, mais ça a l'air de plaire. Hein. Ça plaît beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas ça. Ah oui, c'est les marquages individuels. Moi, toujours, un petit marquage rapproché, dans un premier temps, sur le meilleur joueur adverse. Le 73, Van de je sais pas quoi, là. Oh, il y a un 76, putain, il y a, ouais. Je préfère mettre un quelqu'un de plus central. Il s'appelle comment? Mais allez, je sélectionne le Vandenboom. Vandenboom, on va lui mettre un petit marquage. Et toujours un marquage individuel quand même sur le meilleur attaquant. Cool. Avec, j'hésite entre Mou. Ouais. Franchement, Moumini, je trouve qu'il a un meilleur marquage individuel que mon ami Lars Lucas May. Ça marche pas très bien. Moumini aime bien, il est en pleine forme. Lyon contre Montpellier, Lopez sur la deuxième but, il a fait n'importe quoi. Tu en penses quoi, Didier? Oui, Sim, j'avais dit que c'était un petit peu pour lui le but. Bon, c'est délicat, il repousse. Je pense que peut-être il veut la mettre en corner, mais j'ai pas l'impression. L'impression qu'ils vont repousser limite peut-être vers la touche, mais il y a du monde devant, quoi. Il faut jamais relancer dans cette situation. Tu sais jamais sur qui ça va tomber, et là ça tombe sur un joueur adverse qui a plus qu'à la pousser ensuite dans ce jeu de billard. Voilà. C'est bien de faire le spectacle, l'horizontale c'est bien pour la repousser, je suis même pas sûr qu'elle est cadrée. Mais là en corner, gars, assure, prends pas de risque. Mais bon. En même temps, on a eu des tirs, hein, des tirs cadrés, 8 tirs cadrés, un but. C'est décevant, à part le Barça, non pas le Barça, le Bayern, qui avait gagné face à Tigre avec des statistiques équivalentes, n'avait pas réussi à trouver le chemin des buts facilement. Mais bon, on n'est pas les Allemands, on n'est pas le Bayern. Donc voilà, il faut marquer, sinon tu te fais punir. Qu'est-ce qu'on a? Capitaine, c'est bien.
Casteldine, tout sous. Castledine, ça se prononce. Castledine, penalty. Ouais, les joueurs qui montent, très bien. On a quand même 72 de collectif, hein, ça peut le faire. Allez, on va passer à ce match. Aussi Liverpool qui a perdu 3-1 contre Leicester. Mais les déplacements, c'est toujours compliqué. Et puis c'est normal de perdre en déplacement. Hein. Si Liverpool avait pris tous les points chez eux, déjà, les 3 points à chaque fois, ils n'en seraient pas là. Hein. Ce n'est pas forcément les points perdus à l'extérieur. Demain, je vais voir tout le monde sur le live de Didier et Teddy. Teddy, hein, attention, hein. Teddy, il a dit, hein, il veut voir sur Paris Saint-Germain, il veut du soutien, hein, derrière. Moi, je serais un petit peu neutre, hein, parce que je supporte les deux clubs. Barça, parce que voilà, j'aime bien l'équipe, hein, du Barça, et puis Paris, parce que c'est une équipe française en Champions. Mais bon, j'espère qu'on sera nombreux, avec un Alisson qui fait une grosse bourde. Bon, Alisson, des fois il est bon, des fois il est pas bon, Alisson Becker, hein, depuis qu'il a eu le trophée du meilleur gardien, je sais plus quoi, là. Allez, match en mode entraîneur. On est bon. Le son est bon. Stade, bon, on est chez nous. Hiver aléatoire, normal hauteur de pelouse, très bien. On a tout réglé de toute façon, donc on y va. C'est parti. Toussons, mes amis, toussons. Allez, je place un petit peu moins de place pour le chat et plus de place. Ou sinon, plus grosse ma tête. Ou plus petite ma tête. Plus grosse ma tête. Plus petite ma tête. Plus petite, hein. On veut voir le match quand même. Allez, Toulouse, hein, bah, sport virtuel est pour Toulouse, très bien. Ça sent mauvais ce match. Entrée des joueurs. Toulouse, hein, qui a une ancienne Ligue 1, hein, reversée en Ligue 2. Suite à. Allez, on a l'attaque. Tu fais trop rire. Mais oui, mais je fais le spectacle, hein, c'est comme ça. Je suis spectaculaire même. Allez, on est en rouge puisqu'on est vers l'attaque. On va tenter de faire la diff face à cette équipe. Allez, on part vers l'avant avec Arcas qui rejoue sur Castledine. Un petit peu d'espace pour Castledine qui fait le dos rond. Castledine qui avance. Castledine qui ne donne pas son ballon. Il est pris par deux joueurs. Il y a faute. Oh, il y a coup franc pour Castel. Mais quoi? Il n'y a pas faute là? J'ai entendu un coup de sifflet où j'ai rêvé. Moi, je pensais qu'il y avait faute sur Castledine, mais pas du tout. Attention, cette contre-attaque. C'est récupéré par nos soins. Allez, on repart vers l'avant. Teddy, en plus, demain, je récupère Mako. Ah, tu seras commentary du coup. Teddy, j'espère que vous n'allez pas trop vous battre pour commenter sur la PlayStation. Allez, balle en profondeur, c'est un petit peu balancé, mais pressing adverse. Allez, pressing de notre équipe. Pressing offensif pour récupérer ce ballon. Allez, Arcas, double contact. Non, non, il fallait frapper, mon gars. Mais double contact pour ça, c'est pas possible. Allez, Gyurza dans la boîte, peut-être. Non, l'épaule, oh là là, il n'y a pas faute. Contre-attaque, mes amis. Il va falloir se replacer. Bayo en contre. Allez, Lars Lucas-Meye. Essaye de le gêner, s'il te plaît, Lars. Raskin, passé. Allez, pressing, là, l'épaule. Non, c'est remise axiale. Attention, ouais, Rice qui récupère ce ballon. Il faut se projeter, là. Il faut se projeter, mon ami. Allez, Rice, transmet. Ouais, belle transmission, avec Goyos. Arcas. Arcas qui. Allez, oui, ça a bien joué. Quelle construction incroyable avec cette contre-attaque. Gyurza dans la surface. Gyurza qui va peut-être réussir le centre. Gyurza, il va où? Mais c'est nul. On est d'accord, c'est nul ce joueur. Mais pourquoi fait-il ça? On aurait dit Valère Germain. C'est pas possible. Contre-attaque en se prenant le dos. Moumine en contact. Il est en angle fermé. Oui, il va récupérer ce ballon, Moumine. C'est bien joué. Allez, Goyos. Ouais, récupération axiale. Allez, Rice. Ouais, par-dessus, mais Goyo, c'est pas ça, son fort, la vitesse. Quoique, il va peut-être la récupérer à l'épaule, non? Oui, il réussira un pressing de centre! Mais centre, c'est bien joué pour Arcas, la tête d'Arcas! Oh non, Arcas! Hein. Douille à Taoui à Toulouse, c'est nimp. Écoute, nous sommes en mercato, le mercato hivernal est fini, donc il y a eu deux périodes de mercato, donc peut-être qu'il y a eu du transfert, hein, je ne sais pas. Taoui, c'est qui Taoui? Taoui, jouez où? Taoui Football. Je ne sais même pas qui c'est. Allez, récupération de l'OL. Je ne sais même pas qui c'est Taoui, moi. C'est même pas marqué sur Internet.
Allez Loël, on est à domicile, on entend mieux de toi. Non, mais c'est pas possible, ça c'est une plaisanterie infinie. Non, mais c'est pas possible. Pff, allez le gardien, sors, vas-y. Non, mais c'est pas possible, Moumine, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est en dépression. Pff, oh, j'en ai marre. Coulouris là, coulouris. Ah oui, mais il est bien là-bas, lui, hein, Coulouris. Toulouse, hein, le grec. Putain, il pouvait pas nous faire une Mitroglou, quoi. Là, le gardien qui hésite, qui va, mais non, c'est Petit Love. Un sport virtuel, mais pourquoi tu supportes Toulouse? Non, mais Moumine, il nous fait quoi, là? Ah, je suis déçu, hein. Ah, il tire dans le pied, contre-attaque, franchement. Pff. Moi, j'en peux plus, hein. Rassiopi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? J'hésite, j'y vais pas, et je me prends le lob. Il a marqué combien de buts? 4 buts en 34 matchs. Ouais, il marque pas vraiment énormément en vrai. Hein. Depuis 2019, c'est pas ouf. International grec, 0 but avec la Grèce. Non mais franchement, soyons sérieux. Allez, vers l'avant là. Toulousain, j'espère qu'on va réagir dans cette rencontre. Allez, balle avec Goyo Castledine. L'extérieur du pied pour Barre. Le bon centre peut-être. Barre qui va en profondeur, qui va réussir à centrer. Arcas n'est pas là, mais c'est pas fini avec Rice. Rice qui revient derrière avec Raskin. En surface, Castledine. Arcas qui a le loisir de frapper. But. Égalisation immédiate. Et sans délai. Pardon. C'est la victoire qui se dessine. Ouais, Nico 68. Bien sûr que demain il y aura un match. Bon, je. Il est encore, encore fort mon micro, je trouve. Hein. Allez, je vais baisser un peu là. Peut-être que ce sera mieux le son, non? Un peu moins fort quand même. Quoique. Arcas, il est énorme. Hein. Grosse qualité de frappe. Allez, on revient derrière, on ne se laisse pas maîtriser par cette erreur. Et on va repartir à l'attaque, mes amis. Allez, la pression. Du jeu long, c'est pour nous, ça. C'est récupéré Gyorza sur le côté. Larsoukas Maï. Hein, demain, hein, c'est Barça, Paris. Allez, peut-être encore une occasion, une faute sur Castledine. On va laisser le débordement, c'est bien joué par Raskin. Raskin va pouvoir sauter en première intention, peut-être. Il recentre au second. Mais c'est trop long, c'est dégagé en corner. Ça va sortir en corner, s'il vous plaît. Corner. Non, touche, oh, soyez en sérieux. Tu le fais sur Spipa ou PES, le match? Je sais pas, soit sur les deux jeux, soit on fera... Je ferai un vote. Tiens, pour savoir ce qu'on fait. Salut Antoine. Touche longue. Ah, Goyo se fait quelque chose. Il a poussé là. Ils ont poussé le gardien à envoyer le ballon en corner. Allez, Castledine trouve une tête. Il y a Arcas, peut-être. Il y a Moumine qui peut ponter. Gyorza, c'est... Oh, ça va être compliqué de la tête. Reprendre, voler. Oui. Oh, c'est pas cadré. Dommage, le belge Raskin. C'est ça. Non, Esposito. T'es l'italien. Pas cadré du tout. Tu as travaillé aujourd'hui, t'es dit comme tous les jours. Enfin non, j'étais malade. J'étais en vacances la semaine dernière et malade la semaine d'avant. Mais là, oui, j'ai travaillé effectivement. Il va falloir que je retravaille parce que j'avance pas beaucoup là. Enfin, j'ai avancé quand même, mais faut que j'en fasse plus. Hein. Faut que je finisse l'écran que j'ai commencé à développer. Allez, peut-être Esposito pour Arcas. Le deuxième. Arcas, frappe en pivot. Oh, Arcas, mets la praline là, de ton droit, de ton pied droit, mon ami. Tu peux m'inviter sur ta partie. Bah attends, il y a déjà Teddy qui veut commenter demain, donc je sais pas. Oh, attention, Momine. Tu fais PSG Barça demain? Tout à fait, Marie. Tout à fait. Je ne sais pas encore sur quel jeu. N'hésitez pas à être vigilant sur vos téléphones pour le vote. Je voterai. Je pense que FIFA, quand même, mérite, vu les licences qu'ils ont dans le jeu vidéo. Ils ont la licence de la Champions League, donc pour le contexte, c'est un peu mieux. Attention, la balle en profondeur. Gyorza, le contrôle manqué. Ouais, mais non, il part tout seul en touche. Après, je crois qu'il n'y a pas le contexte 8ème, il y a le contexte quart ou le contexte demi. Mais il n'y a pas le contexte 8ème, enfin. Après, bon, c'est pas grave. Hein. On mettra le contexte demi-finale de Champions et on dira que c'est. Voilà. Que c'est...
C'est l'écart, que c'est les huitièmes. Moi, je propose sur les deux jeux, nous dit Teddy. Bah écoute, ouais, mais qui aura la primeur d'être une heure avant le match avec les vrais compos? Est-ce que c'est FIFA ou est-ce que c'est PES? On peut faire PES un peu avant et après FIFA. Oui, Antoine, j'ai bien répondu. Allez, allez, l'OL. Franchement, on domine cette rencontre, hein. Ils sont pas là, les Toulousains. Ils ont marqué un but avec de la chance. Allez, Kasseldine. Kasseldine. Kasseldine, pas de gauche. Kasseldine, le gardien sort. Petit lob. Frappe en pivot. Frappe en glissade, pardon. Repoussé par le gardien. Dommage. Allez, de la tête. Ouais, bien joué. Larsou Kasmaï, mais c'est perdu le ballon. Attention. Attention à cette phase avec Taoui. C'est lui, Taoui, hein. Si, Taoui, il est bien. Taoui, il est bien. Il joue bien pour Toulouse. C'était pas lui, peut-être qu'on avait dit hein, juste avant. Pas lui qu'on parlait, peut-être. Allez, peut-être balle intéressante. Kasseldine avec Raskin. Raskin qui dégale avec Gyurza. Dernière offensive potentielle pour l'OL. Par-dessus, c'est un peu long. C'est trop long. PES 19h30, FIFA. Après le match. Après le match? Non, mais je vais pas faire le FIFA après le match. Non, mais je. Au pire, je fais 19h-20h. 19h PES, 20h FIFA. Mais je peux pas faire le match après le match. Le match virtuel après le match réel. Non, non. Pas exagéré quand même. Ce soir, je vais jouer à PES 2021. Regardez-moi cette domination. 70-30. Cette équipe n'est pas là. Pourtant, elle a des statistiques bien supérieures à la nôtre. Comme quoi, hein, l'intelligence artificielle dans ce jeu. Pas parce que tu as la plus grosse équipe que tu fais la domination. Mais bon, le résultat est quand même là. Ils ont marqué un but hein, sur leur première occasion. C'est un petit peu déplorable. Allez, passons à cette seconde période très rapidement. Parce qu'il y a un autre match à suivre. Et puis, moi, dans peu de temps, il y aura le bain de ma petite fille. Donc, je sais pas pourquoi je dis petite fille, de ma fille. On sait qu'elle est petite. Lars Lucas Maille. Allez, récupération haute. Enfin, haute. On récupère assez rapidement ce ballon du côté de l'OL. Allez, Raskin, transmission avec Kasseldine en MOC. Oh, il est pris. Il y a faute là, peut-être ici. Il y a faute de Kasseldine, d'accord. Il est mis à terre lâchement et de manière brutale. Mais non, il n'y a pas faute. Allez, on reste gris. On va pas rester en offensive trop. Saïd, attention à ce débordement. Barre, n'y va pas. Koulouris, le buteur. Attention, il faut le maîtriser par Moumine. Mine au contact de Koulouris. Le centre, il est pas mal. La tête s'est récupérée par Raskin. Allez, là, il partira en contre quelque chose ici. Arcas qui sera dans la difficulté. Putain, mais vous êtes tous pour Toulouse ou quoi? Elle a quel âge ta fille? 9 mois. Elle vient d'avoir 9 mois hier. 9 mois. 9 mois dedans, 9 mois dehors, comme on dit. Pour résumer, certains comprendront ceux qui connaissent la. Le principe de la natalité. Attention, Arcas, il est passé, Arcas. Oh, tu t'es précipité, mon petit. Allez, Lyon, merci Antoine, merci. Attention, cette contre-attaque. Oh, il est passé. Larsou Kasmaï en revient dessus, c'est bien joué. On peut pas faire match nul là, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne. Allez, Esposito, transmission. Transmission, Esposito, non, tu fais. Ouais, c'est récupéré. Allez, transmission, transmission. Transmission, c'est bien joué. C'est balle de but pour Arcas, Arcas. C'est contré au dernier moment, c'est pas possible, Arcas. Ah là là! Oh, j'en peux plus, je ne tiens plus. Je ne tiens plus en place. On revoit ça. Il a là. Ouais, ça revient bien. Ouais, il y a un joueur devant. En fait, Taoui, il s'est fait virer parce qu'il avait la grosse tête. D'accord. Il est toujours là. Il a la petite tête chez Konami. Attention, barre le contrôle, c'est excessif. C'est n'importe quoi. On se prend un contre-attaque. Attention. Allez, restez au pressing néanmoins, mes petits. Ah, Nathan qui dit. Bon, allez, Lyon, merci, hein, merci, quand même. Allez, vers l'avant, mes amis. Mes petits. Gyurza, transmission propre. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Gyurza? Et c'est encore failli contrer. Ça a failli encore être du danger, là. Moumine sur le côté avec Barre. Barre qui va pouvoir remonter le ballon, peut-être. Barre avec Rice. Barre à nouveau. Allez, Bart, t'es passé, petit. Oh, mais c'est passé. Allez, allez, un petit peu de chance, là. Saïd dans le dos, ça va, il va pouvoir centrer. C'est bien joué, Bart, au second.
Arcas qui ne récupéra pas ce ballon. Contre-attaque de Taoui. La grosse tête. Ouais, les ballons longs, c'est pour nous. Ouais, c'est récupéré. Allez, Gerza, mon petit. Allez, accélère. Accélère, petit. Oh, c'est balle pour eux, là. Je dis 2-1. Hein. Merci, Nathan. Ça veut dire qu'on marque. Je veux dire 19h30 PS. FIFA après le match de PES. Ah, ok, ok. Luxus. I understand mieux. Ah, Hervé. Ça, c'est une entrée d'un joueur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Joker. C'est des jokers. Ils peuvent être amenés à marquer pour faire la diff. Attention, la tête est longue. Ouais, récupération. Allez. Allez. Castledine. Avec notre ami Hervé. Hervé qui cherche le 1-2. C'est mal négocié, ça. Attention, cette contre-attaque. Bayo. Lars Lucasma, il se fait prendre comme une miette. Une miette de pain. Il n'arrive même pas à récupérer ce ballon. La frappe. Mais pourquoi j'ai acheté Lars Lucasma? Il est nul. Lars Lucasma, il est vraiment nul à chier, hein, ce gars. Hein. C'est une miette de pain, il tient pas. Tu fais ça, elle s'envole, Lars Lucasma, là. Oui, Toulouse, oui. Non, mais regardez Lars Lucasma, à l'épaule, il n'arrive pas. Hein. Ouais, allez, au revoir encore. Tu sers à rien. Voilà. Ouais, je suis un peu déçu, là, de voir... Bon, la perte de balle, déjà, avec Hervé qui fait n'importe quoi. Et là, il y a Lars Lucasma au contact, épaule, ça ne sert à rien. Il va revenir à la charge. Allez, comme une miette, repoussée. Voilà. Allez, il revient. Ça, l'autre, il ne sent rien du tout. Et il la frappe lourd. Ouais, gros vite. Faut que j'achète des joueurs comme ça, moi. Bayo, il est toujours... il est toujours là-bas, Bayo. Bayo. Bayo Toulouse. Toulouse. Ouais. Vakoun Issouf Bayo. Tout à fait, de Toulouse. Un prêt du Celtic. Il a marqué 5 buts en 19 matchs avec Toulouse quand même, Bayo. C'est pas n'importe qui. Hein. Attention, perte de balle encore une fois. Non, c'est pas possible. Barre, allez, Barre, reviens, Barre, mon petit. Attention, la sortie du gardien. Oh non, c'est bien joué. Oh, le poteau. Oh là 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 là. On était tout proche du deuxième but, là. Du troisième but, même. Désolé pour les gros mots. Quoi? En seconde période, tu vas faire des changements, Didier? Bah, j'en ai déjà fait, là. Allez, peut-être... allez. Non, 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 non. Castledine. Obligé de revenir derrière. C'est sans danger. On va passer en... Un poteau, là. J'arrive pas à faire la diff, hein. Allez, peut-être Gerza, le petit centre au second. Hervé, il est trop court. On est vraiment sur une mauvaise dynamique, hein, dans notre équipe. Mais bon, c'est une grosse équipe, hein, de Toulouse. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a touche, là, ou quoi? Je sais pas, il y a des changements qui vont être effectués, j'ai l'impression. Ah, Gerza qui remplace, remplacé par Seifert. Je sais pas quoi faire. Pourtant, on a dominé cette rencontre, mais on n'y arrive pas. Bar Seifert, c'est du poste pour poste. Hervé qui est plutôt... Ouais. Est-ce qu'il peut jouer mieux SA? Ouais, il est mieux comme ça. Je sais pas qui mettre. Ouais, c'est assez axial, hein, mais bon. Non, on va laisser comme ça. Balogun, s'il est... Ah, il y a Raskin qui est pas énorme. Allez, on va prendre un risque. Castledine, on va le mettre un peu plus sur le côté. Merde. Hop, un petit peu décalé. On va monter Raskin et le changer par Redmond. Et le mettre en MOC. Voilà. Prendre des risques, hein. De toute façon, au point où on en est. Tu dis qui va gagner entre le Barça et Paris, nous dit Nathan. Je pense à Barça hein, quand même, avec un but à l'extérieur au moins de Paris Saint-Germain. 2-1 ou 3-2, je pense. Allez, on y croit du côté de l'OL. Il faut faire quelque chose. Cette égalisation serait importante chez nous. On peut le faire. On a vraiment les statistiques pour nous. Hein, passe réussi 88. Comme quoi, dans le script, voilà, des fois, ça ne passe pas. Il y a quoi? Hors-jeu?
Oh. Voilà, retour de position de hors-jeu de Hervey. L'arbitre était vigilant, le voit au-dessus, il signale. Attention, le jeu long. Allez, de la tête, on s'impose. Ouais, c'est pas grave, c'est récupéré. Attention, les relances axiales, comme ça, j'aime pas trop. C'est contré. On n'a pas pu partir sur Hervey. Dommage. Et récupération de cette équipe de Toulouse. Saïd qui peut profiter. Non, non. Non, mais c'est pas possible. C'est une bulldoze. C'est une mobilette. Barre, il est où? Il est complètement en retard, là. Ça... C'est dégagé. Allez, on repart vers l'avant. Kasseldine. Match du Paris va gagner 2-1 dans ce déplacement, nous dit Nathan. Allez, Kasseldine transmet. Il y avait l'appel de d'Arcas. Allez, Hervey peut-être. Ouais, c'est transmis. Allez, décalage avec Barre peut-être. Il y a tout le loisir là dans le dos de Saïd justement qui n'est pas revenu. Le centre, c'est bien joué. Oh là là, Arcas qui n'a pas de chance et qui se vient dégager. Ça va être une sortie de but malheureusement. Passe réussie, 87%. On combine bien, on a la possession, mais c'est peu fructueux malheureusement. Allez, récupération. Pourquoi c'est Esposito qui va au contact alors que ça pouvait être récupéré à Redmond. Redmond le centre peut-être. Redmond la passe pour Arcas. Pour croiser, ça revient. Non, Arcas qui ne finit pas cette occasion. Je suis déçu, mes amis. On va pas y arriver. On va perdre 2 points, je le sens. Non, non. Esposito, tu contrôles rien dans l'intelligence artificielle. Tu pries pour que ton équipe fasse quelque chose. Comme un entraîneur. Voilà, dégagement en touche. Allez. Barre. Allez, il est tout seul, Kasseldine. Pas de gauche. Centre bien. Qu'est-ce que tu fais? Centre, donne-la. Il n'y a personne. Il y a du monde au centre. Centré, mais putain. Mais voilà, mais c'est trop tard. C'est pas possible, Kasseldine. Il n'est pas de gauche. Il centre pas. Allez, remets sur Rice. Voilà, Rice, centre, centré. Non, oh, j'en peux plus. Eh, mais je vais décéder, hein. Je vais décéder, ces joueurs ne valent rien du tout. Oh là là, comment rager. Faut rien y faire, hein. Allez, pressing, allez, allez. Allez, allez. Allez, mettez la pression sur cette équipe. Gelon. Oh là là, ça profite. Non, 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 non. Non. Oh là là, ils m'ont marqué un troisième, tu vas voir. C'est nous qui nous faisons prendre en compte. Le centre à l'entrée de la surface. C'est reprise, c'est dégagé. Ouais, il peut s'en vouloir, mais de toute façon, ils viennent prendre les 3 points. Et il ne peut pas s'écrouler comme ça alors qu'il a loupé une occasion. Hein. Non. C'est un mauvais match de notre part. On dirait le match face à Montpellier. Voilà, c'est on dirait Montpellier. Allez, Moumine, dégage. Oh là là. Allez, télescope-toi. Non, bah non, c'est n'importe quoi. C'est sifflé, mes amis. On a perdu. On perd encore des points. Cette équipe de Toulouse est supérieure dans le jeu et on s'est fait avoir. Voilà, je suis en détresse Ada. Je vais casser une télé comme Mohamed Eni. J'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Non. Voilà. Pourtant, la domination. Voilà, première tête d'Arcas, là, à bout portant quasiment. Incapable de la redresser. On encaisse un but sur une erreur. Hein, contre-attaque Koulouris, sortie du gardien Lob. Tranquille, Koulouris, classe. On a égalisé tout de suite, on y a cru. On s'est dit on est bon là, on réagit tout de suite. On va revoir le but d'Arcas hein, sur l'égalisation. Bon, Koulouris, on le voit, la sortie de Rasiopi, voilà, qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire entre sortir, aller au contact, rester sur sa ligne. Et là, le but d'Arcas. Lui, c'est un ouf, Mohamed Eni, ouais. Il a que ça à faire de casser des télés, quoi. Puis d'insulter les joueurs marseillais, mais bon. Ils méritent hein, parfois les joueurs marseillais, hein, les paillettes mangeurs de kebab. On va voir. Les occasions sont quand même plus pour nous. Bon, reprise complètement mal négociée là. De la part d'Esposito. Kasseldine, occasion à la 40e, c'était quoi ça? Ah, et frappe, voilà, la sortie du gardien, frappe glissée. Mais bel arrêt du gardien qui était bien sorti pour repousser, fermer l'angle. Un petit peu.
Et il fait un très bel arrêt. Arcas, nouvelle occasion ici, qu'est-ce que c'était? Arcas aurait balle en profondeur ici, il frappe, malheureusement c'est contré au dernier moment. Voilà, c'est la déception, les occasions se sont enchaînées. Et ensuite l'erreur, voilà, l'erreur de notre défenseur, Larsoukas Maï, incapable à l'épaule de venir contrecarrer Bayo. Une puissance incroyable ce joueur Bayo. Et malheureusement, Larsoukas Maï enchaîne les problèmes de performance. Il est au marquage individuel, là où je sais pas, mais incapable de reprendre le ballon, malgré toutes ses tentatives, presque des fautes, hein, on le voit pour bousculer le joueur. Retour d'Esposito, sert à rien. Et là, bon, c'était quasiment le troisième, hein, franchement. Koulouris qui vient trouver le montant, alors qu'il aurait pu trouver un plat du pied simple. Voilà, il peut la glisser simple, il préfère l'enrouler n'importe comment. Bon, là, on a échappé belle, mais bon, de toute façon, c'était déjà plié. Qu'est-ce qu'on a eu? Encore une occasion, là, d'Arcas. C'était quoi? Ouais, là, franchement, Arcas, là, franchement, mieux que ça, la frappe croisée du droit, là, ça devrait finir au fond, il tire sur le gardien. C'est décevant. Koulouris, la dernière occasion. C'était quoi? Une reprise, ouais, une reprise encadrée ici. Sans grand danger. Voilà, les occasions pour nous, la possession pour nous. Le résultat est malheureusement une défaite. Une défaite dans ce match. Et un troisième qui pourrait revenir hein, sur nous, hein. On va voir ça. Bon, on va quand même se rattraper lors du prochain match, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il a fait je sais plus qui c'est qui était derrière. Ajaccio, je crois. On va gagner 1-0. Guingamp qui fait 1-1. Donc finalement, ils prennent qu'un point de plus que nous. Donc ils sont à 2 points. Bon. On a quand même la chance de voir Guingamp ne pas trop partir devant. On est à 6 points par contre. Ouais, Toulouse qui revient bien, hein, qui fait la bonne opération. Hein. J'avais dit Ajaccio, voilà, Ajaccio qui n'est pas terrible. Et Toulouse qui revient 3ème. Hein. Belle performance de Toulouse dans ce déplacement. Belle équipe. Bonne soirée Nathan. Et on va faire le deuxième match et puis on arrêtera là. On va faire rapidement le deuxième match face à Paris. Essayer de toute façon de conserver le système. Hein. Je suis un petit peu un modèle Rudy Garcia. Hein. Ça a marché tellement longtemps que je ne vais même pas mettre... Je vais pas changer, je vais faire du Rudy Garcia. De grands espoirs pour le roi des buts. Arcas est le meilleur buteur en ce moment. Voici ce qu'il avait à dire aujourd'hui. Il m'appelle vraiment le roi des buts. Ce n'est pas si loin de la vérité après tout. D'accord. Mec, un petit peu de... Non? D'accord. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, les calendriers, tout ça. Voilà, rapport de budget, annonce du groupe retenu en sélection, très bien. On sait pas, dit que... Raskin, ah, ça a monté les notes là, on a peut-être pris en note G là. Balogun, comme convenu, nous avons entraîné, travaillé les duels avec Balogun pour le former à la technique roublardise. Il a désormais atteint un niveau lui permettant de l'employer en match. Bah voilà, on a fini l'entraînement Balogun. On va pouvoir passer quelqu'un d'autre en entraînement. Titre, voilà les titres. Je sais pas si on est dans les meilleurs. C'était pas bureau new manager, performance, non. Je sais plus où c'est. Performance de club. Information de compétition. Non, c'est pas ça. Bonne game. Merci. Merci. Résultat du dernier match, c'est ça. 3-0. On avait perdu 3-1 face à 3. Ouais. Grenoble 0-0, Toulouse la défaite pour le moment, une victoire, un nul, deux défaites, c'est pas terrible hein, cette période de mars qui se clôture du coup. C'est quoi ça? Saison. Tendance en attaque, jeu de possession, c'est vrai qu'on est plus en jeu de possession. Hein. Défense totale, prudent, passe longue. On est passe longue encore, on fait des passes courtes tout le temps nous. Pas compris. Je sais plus où c'est les performances de titre individuel, ça doit être ça. Ouais, équipe du mois, voilà, on doit être dans l'équipe du mois quand même, non? On a des joueurs? On a personne, très bien, très bien. Mais pourquoi Arcas est le meilleur buteur? Alors ils disent, c'est information compétition. Est-ce qu'il est meilleur buteur le petit Arcas? Je pense que c'est là qu'on voit, hein, Ligue 2. Ligue 2, classement des buteurs. Buteur... Arcas, hein, 15 buts, 14 buts pour Goyos, on a les meilleures attaques, et regardez-moi le résultat, on est deuxième, derrière Guingamp, qui n'a que Rodelin, et Pelé derrière, on a 3 joueurs,
Je comprends pas comment on n'arrive pas avec cette belle attaque magnifique. Tu fais le Bayern ce soir? Non, Antoine Bernard, malheureusement, pas de Bayern face à je sais plus qui là. À une vieille équipe. Je crois que c'est les derniers de la. Peut-être les premiers contre les derniers quasiment. Donc. Non, je ne vais pas faire malheureusement. Je n'ai pas le temps. Il y a bientôt le bain de ma petite. On va accélérer le mouvement. Il faut faire le bain. Donc je vais regarder la gestion d'équipe. Le plan de jeu. Est-ce qu'on a des joueurs. Ah, on a Lars Lucasma, il t'a fait n'importe quoi, gars. Donc, je suis obligé de te garder. J'ai pas grand monde pour. Voilà, c'est le problème. Hein. Greenville. Il est pas en forme, Lars Lucasma. Hein. Mais bon, je vais le garder quand même. Je comprends pas qu'il arrive pas à se mettre dans le match, dans le game. On est tous quasiment. Voilà, les formes sont bonnes. Donc, il y a Balogun, peut-être. Ah, ouais, Goyos. Allez, Balogun qui a. Goyos n'a pas marqué. On met Balogun en titulaire. Punition. Punition pour notre ami Goyos, même si c'est un des meilleurs buteurs aussi de cette équipe. On va le sortir et le mettre remplaçant. Toujours un marquage individuel. En marquage rapproché. Marquage rapproché, je vais mettre sur le MDF. Tiens, allez, hop. Et un marquage toujours individuel sur la pointe. 63. Allez, mais Lars Lucasmaille. Ça n'a pas marché précédemment, son marquage, on l'a vu, mais bon. On ne sait jamais sur ce match. Tout peut arriver. Tout que cette équipe est plus faible, on va le rappeler. J'allais vous montrer la performance de cette équipe. Franchement, on est. Attends, on a peut-être monté d'ailleurs. Je vais aller comparer. Information d'équipe. Ligue 2. Est-ce qu'on est monté en note? 67, 64, 62. 67, 64, 62. Non. On n'a pas monté. Hein. Hop. Et on va le comparer avec. Mais Chanoun. Non, Antoine Bernard. Je peux pas mettre Chanoun titulaire. Sinon, il faudrait que je change le plan de jeu. Mais de toute façon, vous n'êtes pas assez. Quand vous serez plus nombreux, vous pourrez voter. Hein. Vous n'êtes pas assez nombreux. 5. Et puis, il n'y a qu'un vote. Hein. C'est Antoine qui veut faire du vote. Mais voilà, Chanoun. Il faudrait que je change le système pour mettre Chanoun. C'est le seul français, effectivement, avec Barre. Mais bon, il faudrait qu'il joue sur le côté. Il faudrait changer le système pour. Ou sinon, je mets Chanoun à la place de Barre. C'est possible aussi. Ouais, si tu veux. Ça fait plonger un peu. On va voir Barre un petit peu fatigué. Allez, pour te faire plaisir. Et si Chanoun n'y arrive pas, ben voilà, on le mettra plus haut. Au pire, on pourra le monter d'un cran si ça ne marche pas. Voilà. Qu'est-ce que je regarde? Je sais pas. Je m'en fous. Je passe au match. Allez, Cruyff et Barre sont raccord. Le joueur est essentiel au plan de jeu du manager. Ah bah tiens, ça tombe juste. Je viens de le changer, tu vois. Ils sont raccord, mais je change Barre. Bah oui, moi je suis comme ça, moi. Je suis pas d'accord avec ce que dit Konami. Mode entraîneur. Coup d'envoi. C'est bon. On a tout. Ah oui, j'ai pas montré qu'on était supérieur. Attends, je vous montre quand même. Parce que bon, c'est pas le tout, hein. Information d'équipe, calendrier. Voilà. Ça, c'est Paris. 65, 65, 63. On est à l'extérieur, certes. Mais on a quand même 67, 64, 62. On a quand même une meilleure attaque. Bon, les autres secteurs sont pas ouf non plus. Mais bon, je pense qu'on peut faire la différence. Ils sont 9e, on est 2e. Il faut qu'on gagne. J'espère que cette équipe de Guingamp va perdre. Ou faire match nul comme ça, si on gagne, on passe devant. Je crois qu'au goal average, on passerait devant. Je suis pas sûr, même. Allez, on a tout bien réglé, je pense. Hein. On a toujours les marquages, je pense. Règle de marquage, on a toujours Lars Lucasmaille au contact. Ok, par contre, ouais, je vais quand même mettre Chanoun sur Lopez. Voilà. Parce qu'il a un nudge un petit peu inférieur. À la perte, il faut qu'il soit au contact. J'ai pas envie qu'il soit trop à l'avant, là. Dîner Chalhoun doit être au milieu de terrain. Antoine. Antoine, s'il te plaît! Il va vouloir me changer mon système. Prends le contrôle de la Ligue des Masters aussi, Antoine, si tu veux, non? Allez. Vous n'êtes pas assez nombreux. Personne ne me dictera comment je fais si vous êtes que un. Antoine, c'est toi, ta vision contre la mienne. Et je suis quand même le titulaire de la chaîne, n'est-ce pas?
Donc voilà, si vous étiez 12 à dire on aimerait ça plutôt, là peut-être, il y aura quelque chose. Mais non. Bonsoir Dark Véron. Allez, de ce déplacement dans le bon stade, hein, je pense avec le patch custom RPVS, nous sommes bien au stade de Charletti pour Paris FC qui accueille notre Olympique Lyonnais. Allez, on espère le résultat dans ce déplacement. Pour revenir et repasser devant Guingamp, ce serait bien. Allez, c'est que qui engage, je crois. Avec des chaussures roses. Rose bonbon. Allez, ils passent déjà en offensif. On le voit, ils sont en rouge. Nous, à la récupération, on passera à l'offensif. Voilà, récupération. Allez, à l'offensif. Ratiopie. Tu penses quoi de la défaite de ce week-end? Ben, je suis un peu déçu, hein. Mais bon, voilà, on n'arrive pas à marquer. Il y a des fois, contre Metz, on n'arrivait pas à marquer, on a perdu. Lars Lucas Meiss, ça revient derrière. Non! Non! Oh là là, il fait n'importe quoi. Heureusement, attention à pas encaisser ce premier but dès les premiers instants. Lars Lucas Meiss la tête. Allez, sortez, sortez un peu plus. Allez, allez, gênez. Il n'y a pas de pénalty, attention. Ouais, beau travail défensif. Ouais, quoique. Gorza, allez, Rasiopi, allez dans le jeu aérien. Après, on peut dire le but de Lopez, attribué à Lopez, hein, le deuxième. Mais bon. Lopez a été tellement bon des fois aussi à nous sortir des belles parades. Voilà, ça arrive de perdre. J'espère que Paris lâchera des points aussi, hein, suite peut-être à la difficulté physique avec les matchs de Champions League. Qui nous laissent un peu de la Ligue 1. Hein. Ils ont la Champions, eux. Allez, du jeu long avec Gyurza. Gyurza qui revient sur Raskin. Arkas, le 1-2 peut-être demandé. La balle en profondeur pour Balogun. Arkas en angle fermé. Arkas qui va frapper. Qui frappe coup. Oh, c'est beau. Arkas, je t'aime quand tu es comme ça, Arkas. Je veux que tu fasses tout le temps des frappes comme ça. Terrible en lucarne. C'est ça qu'on te demande, mon ami. C'est ça, Arkas. C'est ça. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur buteur. On comprend mieux. Voilà. Quelle frappe lucarne, il est angle fermé, boum, il nous fait du Dubois, carrément. Mais oui. Quelle frappe lucarne magnifique. Oh, je te kiffe, Arkas. Regardez-moi ça, cette combinaison. Balogun en profondeur. Arkas, tu te dis ça va être compliqué. Oh, boum. Badaboum boum bang. Badaboum boum bang dans la lucarne. Allez, ouais, gros boulet. Gros boulet, Arkas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je kiffe quand tu fais ça. Ah, nous sommes quand même 6 personnes sur Facebook. Salutations aux gens sur Facebook, hein. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter, hein. Je vois vos commentaires. Comme ça, je pourrais en discuter, bien sûr. Allez, je vous rappelle, c'est l'intelligence artificielle, hein. Allez, peut-être marquer le break. Ce serait énorme dès les premiers instants. Allez, on profite. On profite. On va le goût dans le dos. Dommage. Allez, on va repasser en gris au cas où. Non, mais c'est mal dégagé. Ils sont en perte de confiance direct. Allez, on marque ce but. Allez, on se retrouve. Allez, Esposito. Oui. Allez, c'est bien joué. Sur le côté, sur le côté. Oui, bien joué. Gyurza, le centre. Le centre. Gyurza, le centre. Bien joué. Au second, Balogun tout seul. La tête piquée de Balogun. Oh, bel arrêt. Bel arrêt, mais là, on met la pression. On met la pression. Il est beau ce but d'Arkas, hein. Là, tu kiffes, hein. Tu as kiffé, hein. Est-ce que Shanoun va marquer grâce à toi, peut-être? Tête piquée, bel arrêt. Il a essayé de la bloquer, mais n'a pas pu. Attention éventuellement en contre-attaque, hein. Ah, ce gardien. On a une belle attaque, hein, aussi, hein. Donc, allez, Castledan qui s'en charge. 87% de passes réussies déjà. Bon, ça ne veut rien dire, on le sait. Ah ouais, c'est bien tiré au second. C'est dégagé. Esposito contrôle frappe? Non. Ouais, là, Raskin, qu'est-ce que tu fais? On est obligé de se replacer. Attention, cette contre-attaque. Oh là là, ça passe, le 1-2. Ouais, la balle en profondeur, attention. Lars Lucas Meiss qui va récupérer ce ballon, heureusement. Allez, Shanoun. Le numéro 10 en plus, Shanoun. Hein. C'est ouf. Shanoun, il est numéro 10, on le fait pas jouer, c'est vrai. En même temps, les maillots ne correspondent pas forcément. Hein. C'est un milieu latéral, on va dire. Shanoun, il est quand même numéro 10. Ouais, non, c'est mal joué cette combinaison. Tu penses que ton équipe là, le niveau Ligue 1 ou pas? Ah, ça va être délicat, hein. Je pense qu'ils ont le niveau 14e de Ligue 1, quoi. Pour le moment, c'est ça, hein. Même si on est deuxième de la Ligue actuellement, on a quand même beaucoup de difficultés. Attention, on va devoir se replacer. Guilavogui, le centre, il est contré. Moumine qui revient derrière. Allez, on repart vers l'avant.
Je pense pas qu'on ait un gros niveau, hein, mais il va falloir du recrutement. En l'étant bien classé en Ligue 2, une belle montée permettra un beau recrutement d'attirer des joueurs, j'espère. Avant que PS 2022. Chanoun, relève-toi, mon petit. Il n'y a pas de faute. Chanoun, il est bousculé, il est à terre, en PLS, mais non. On ne siffle rien. Ouais, belle remise de la poitrine. Du gelon, c'est pour nous. Non. Oui, mais c'est récupéré dans un second temps, Chanoun. Ouais, c'est ça. Hein. L'objectif, ce sera déjà dans un premier temps de faire un. Mais bon, si on regarde des Arcas et tout, il y a quand même de la qualité. Hein. Il y a quand même des joueurs Ligue 1. Hein. Dans Arcas, Arcas, Castledine, Goyos, c'est des joueurs qui ont leur place en Ligue 1. Ballon en profondeur, c'est bien joué. Ouais, Gurza qui va résister, récupérer ce ballon. Gurza qui conserve. La balle derrière avec Chanoun. Chanoun qui reprend Rice. Rice, Castledine. Castledine, Esposito. Attention à la contre-attaque en cas de perte. La frappe lointaine d'Esposito, tentative. Mais le bloc était bas, c'était la bonne prise de décision. Malheureusement, ça n'est pas cadré. Allez, pression là sur ce jeu court. Allez, Arcas monte. Ça va jouer long, non? Attends, ils ont jeu long, je crois, Paris. Non, quasiment toutes les équipes de Ligue 2 ont jeu long. Voilà, jeu long. Récupération, tranquille. Allez, jouer l'avant. Ouais, bien joué avec Rice. Il y a l'appel de Arcas. Fais quelque chose, Arcas. Ouais, cherche le 1-2. Ah, c'est trop long. Attention, ils vont peut-être se télescoper. Non. Ça va être mal négocié. De Marconnet qui va dégager. Gelon encore à nouveau. C'est pour nous. Allez, récupération, attention. Ouais, c'est bien joué avec Gurza au contact. Allez, Gurza, gêne. Raskin. Allez, pressing. Ah, il n'y a pas faute. Castledine. Oh, par-dessus. Non, c'est Chanoun qui dégage comme il peut. On va récupérer ce ballon. Allez, Rice. Pas d'erreur, Rice. Hein. Voilà, remise avec Moumin, Chanoun. Allez, Chanoun. Ne me fais pas mentir, je t'ai titularisé, c'est pas pour faire des conneries. Il revient sur son gardien, bon. Ratio Pigelon, non. On préfère la conservation du côté de l'OL, c'est un bon choix. On va renverser le jeu du côté droit. Gurza avec Arcas. Arcas pris à l'épaule, il n'y aura pas faute. Et récupération de cette équipe, gelon. Allez, de la tête, on s'impose. Oh, c'est pour nous. C'était mal négocié, mais il n'y a personne pour récupérer ce ballon derrière l'intelligence artificielle. C'est complètement foiré. Arcas est parti dans le... Allez, attention. Wow, récupération. Non, c'est pour nous. Est-ce qu'on va faire la diff, hein? Est-ce qu'on va y arriver? Ouais, ça, c'est bien le transmission, ça. Que va nous faire Chanoun? Mais qu'est-ce qu'il fait, Chanoun? Il est nul, là. Attention à cette phase. Ouais, par-dessus, ça s'est bien joué. Chanoun un peu en retard. Allez, va gêner Chanoun. Va gêner le centre. Il est passé le centre. Ouais, c'était devant la surface. C'est pas fini. Allez, Castledine au contact. Ouais. Raskin n'est pas. Va gêner. Attention à Nain qui va réussir à centrer peut-être. Allez, faut sortir. Là, faut sortir sur le porteur. Allez, on gêne. On gêne au mieux. Ouais, ballon en surface, non, c'est récupéré. Dégagement, mais derrière, il n'y a personne pour suivre. Allez, faut sortir un peu mieux. Ouais, c'est contré. Allez! Non. Bon, on a marqué, mais voilà, c'est pas ouf, hein. On sent que la fin de match est un petit peu à l'avantage de Paris. Allez, récupération, là. Esposito, non, tacle. Putain. Allez. Gakpa qui détourne avec Raskin qui va devoir aller au contact. Le 1-2 bien négocié. Le centre en surface. Larsou Kasma qui... attention, c'est tergiversé. C'est quand même dégagé. Mais on est en difficulté depuis quelques instants. On n'arrive pas à faire la diff. Anna qui va réussir à centrer probablement. Attention, c'est récupéré peut-être ici par un pressing. Non. Laura la frappe lointaine. La parade de Rasiopi. Ah, il n'y a même pas corner. Eh ben, ça nous arrange. Ah, les gants de magicien, ils sont revenus. Magique. Magique. Allez, 10 minutes. Ouais, on a dominé. Pas ouf, hein. René Girard qui tente, avec ses hommes à domicile, de revenir dans ce match. On est en difficulté, mais bon. À l'heure de jeu, on verra si Barre remplace Chanoun. Nous verrons. Pour le moment, nous dominons. Allez, passe à cette seconde période. Possession pour nous.
Arcas. Allez, peut-être le deuxième dès les premiers instants, ce serait énorme. Raskin, la balle en profondeur pour Balogun qui contrôle, qui frappe. Oh non! Oh, l'arrêt réflexe terrible! Ouah, cet arrêt de malade! Ouais, j'ai cru que c'était dedans, mes gars. Oh les gars, j'ai cru que c'était dedans. Oh, Balogun, contrôle, plat du pied, quel arrêt incroyable! Oh, on était. Il peut être heureux hein, d'avoir un arrêt réflexe comme ça. Allez, Castledine, mais là dans la boîte. Allez, il faut le marquer ce deuxième. Il faut le marquer. Ouais, non, c'est bien tiré. Ah, c'est dégagé, mais c'est récupéré par nos soins. Non, 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 on peut pas laisser filer. Allez, Larsuka Smile. Esposito, Rice. Décalage, décalage. Avec Shanoun. Shanoun. Shanoun passe courte avec Rice. Rice contrôle, frappe en pivot. C'est tergiversé. C'est nouveau corner du côté de l'OL. Ouais, délicat, il aurait fait le contrôle pour s'excentrer plutôt que revenir axial. Ça aurait été mieux. Allez, Castledine à nouveau. Pour trouver une tête éventuelle, ce serait pas mal. Ouais, c'est bien tiré au second. Rice, il est seul. C'est repoussé, Gyorza. Allez, à la course, Gyorza, non. Gyorza, non. Gyorza, tu me déçois. Tu me déçois, Gyorza. Allez, la... Ah, ça... Allez-y, mais récupérez-moi ce ballon. Allez, on est repositionné néanmoins. Ballon, c'est pour nous. C'est pour nous. Allez, Moumine. Non, ça passe. C'est pas normal. Shanoun qui est dans un second temps. Allez, récupération de notre équipe. Il faut marquer le... Il faut faire le break. Hein. Oh non, mais c'est pas possible. C'est Shanoun, il est catastrophique. Il va sortir. Hein. Est-ce qu'il va sortir par le jeu? Non, toujours pas de... Oh non, pas sur le côté là. Allez, les marquages là. Non, Gyorza en retard. Gakpa qui arrive à centrer, c'est bien tiré la tête. Oh, Rasiopi qui tente. Ah non, allez, allez, au contact, non. Non. Allez, défendez. Rice. Allez dessus, gênez-les. Gakpa. Ouais, il y a un pressing, mais ils arrivent quand même à combiner. Récupération, allez, contre-attaque ici. On part à l'avant là. Non, pas vers Balogu. Ouais, quoique. Il y a la balle pour Arcas, bien transmise. Arcas. Arcas seul. Attendu soutien, Arcas, qui décale. Ouais, c'est bien joué, la montée. Shanoun sur le côté. Oui, la balle en profondeur, c'est bien joué pour Balogun. Balogun qui revient sur ses pas. Le centre en première intention, c'est pas fini. Shanoun derrière, derrière, oui. Raskin la frappe. Frappe de Raskin, non. Castledine, pas de gauche, Rice. Ah, c'est bien en place, c'est n'importe quoi. Ça dégage comme on peut. Non, sort la pente, touche. Il a récupéré Gyorza. Oui, centre, centre. Ouais, c'est bien joué. C'est but, non. Récupération, Raskin frappe. Mais frappé au but. Le centre au second, mais ouais, mais c'est trop proche du gardien, ça. Ouais, bien joué. Allez, vers l'avant. Allez, Raskin, transmission crochet, c'est bien joué. Allez, Castledine, avec Arcas. Ouais, du jeu long, ça, c'est un petit peu n'importe quoi de la part d'Arcas. C'était compliqué, mais touche à suivre offensive néanmoins pour l'OL. Un premier changement peut-être. On va voir. Barr qui va rentrer, non? Castledine remplacé par Redmond, je crois. Au niveau du changement. Si je ne m'abuse. Ouais, Redmond qui rentre. C'est du poste pour poste. Rice. Rice qui revient sur ses pas. Dans la boîte. Oui, Redmond est seul. Il contrôle. Il en fait trop. S'il va passer. Oh, il cherche la lucarne, mais De Marconnet est sur la trajectoire. J'ai perdu Sim face à Toulouse. Allez, Larsuka Smile, bouge-toi. Voilà. Il faut le deuxième, il faut le deuxième. Redmond. Allez, transmet Redmond. Gelon encore une fois. Ah, ça profite. Il y a quoi? Il y a retour de position de hors-jeu. Est-ce que Barr va rentrer à la place de Shanoun? C'est la question. Il y a faute pour eux. Ouais. Pour moi, il y avait faute sur Maï, hein. Combien le score? 2-1, j'ai perdu 2-1 face à Toulouse. Et pas en odeur de sainteté, hein, notre Larsuka Smile. Fait ce qu'il peut. Attention ce jeu long. Ah, c'est contrôlé. Allez, on sort dessus, on sort dessus. On sort sur le porteur, on le gêne. Allez, même Arcas, on le gêne. Allez.
Redmond en contact. Oh, ça passe trop facilement, ça. C'est débordement. Esposito. Attention, le centre. Anin qui va réussir à se centrer. Non, bien repris par Esposito. Dégagement axial, c'est pas bon, ça. Gakpa. Anin, encore une fois, des largesses. Il va pouvoir centrer tranquillement car Gyorza n'est pas au contact. Je vais devoir le mettre en marquage individuel, Anin. C'est pas possible. Heureusement qu'il ne centre pas en première attention. Ah, il va réussir à centrer. Moumin qui dégage, c'est bien joué. Allez, joue vers l'avant. Bien joué, on repart vers l'avant. Allez, Arkas qui était assez bas. Ici, on repart du côté de l'OL. Avec Balogun qui était resté en pointe. Balogun. Balogun qui essaye de déborder. C'est bien joué, Balogun. Qui remet sur Arkas. Beau travail défensif. Beau travail. Attention, contre-attaque. Ouais, Moumin est en retard. C'est pas grave. Pas Moumin, Lars Lucas Maï. On a réussi à revenir quand même. Au marquage individuel, il s'était fait encore prendre Lars Lucas Maï. Heureusement qu'il y a Moumin qui couvre bien aussi. Il a une belle intelligence de couverture. Allez, allez sur le porteur. Oh là là, Rice. Allez, attention, le centre. Ouais, allez, on sort. La frappe, oh, la parade, c'est contré. C'est récupéré, tête de Lars Lucas Maï. Esposito qui dégage. On est en pression, là. On est en grande difficulté. Ballon long encore à nouveau. Ouais, il reste au pied. Heureusement. Voilà, le scud. Allez, Arkas au combat. Allez, mettez une pression là sur ce joueur. Évitez la relance propre. Ballon long encore, c'est pour nous. Ouais, mais là pas derrière comme ça, putain, mais c'est pas possible. Il est nul, hein. Il est vraiment nul, hein. Oh, la balle de l'autre côté, c'est bien joué. Oh là 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 là. Lars Lucas Maï, c'est une catastrophe, mes amis. C'est une catastrophe, ce joueur. Moumin est excellent, Lars Lucas Maï, c'est une catastrophe. Il est nul. C'est encore lui qui la met derrière et ça part en contre. Et voilà. C'est mérité, il dominait. Et Lars Lucas Maï, regardez-moi ça. Peut-être c'est lui qui la met là-bas. Mais là, vers l'avant, espèce d'imbécile. Obligeant Moumin à défendre, mais là, la passe est magnifique ensuite. Voilà. Laisse tomber. Rien ne va plus dans notre formation. Ouais. Paris FC, mon club de cœur. Donc GG au PFC, désolé. Koh-Lanta. Didier, il n'en peut plus. Hein, j'en peux pas. Bah, Barchanoun était peut-être temps de faire avant. Hein, peut-être qu'on n'aurait pas concédé cette occasion. Vas-y, je vais faire des changements. Moi. Ouais, Raskin est en catastrophe aussi. Hop. MOC, Raskin. Ballot, il peut jouer à ça, non? Ouais, il peut jouer à ça, mais c'est pas ouf. Goyos, 69. Ouais, je vais le faire entrer. Quitte à mettre doubler ça avec Balogun. Et prise de risque, hop, on va détourner un peu lui, mettre un peu plus bas. Arkas un peu décalé. Et Redmond un peu plus haut. En MOC. Voilà. Bah Goyos, hein, je suis obligé offensivement, hein, voilà, je suis obligé de faire rentrer Goyos. Il reste plus beaucoup de temps à jouer. Il faut essayer de revenir et de remettre ce deuxième but. Mais jouer l'offensive. Et pas de faire d'erreur. Il y a un pressing. Ouais, mais on joue derrière. Pff. Salut Payot. Je préfère la conservation. Ouais, Lars Lucas Maï qui tente une transition n'importe comment. Mais c'est récupéré quand même. Ça va profiter. Godmond. Allez, Rice. Oh là là, Rice. N'importe quoi encore une fois. Une passe venue d'ailleurs. Oh, le tacle de Esposito. Ouais.
Attention, la balle en profondeur. Oh là là, on va le prendre le deuxième, hein. Le centre. Non. Putain. Mes amis, on était tout proche du deuxième. On est passé de prendre 3 points à 0 points, là. Bravo, Rasiopi, mais c'est un peu sur toi, l'arrêt réflexe, mais je suis un peu déçu, hein, dépité par nos prestations. Ouais, je suis en sueur, là, j'en peux plus. Je contrôle plus rien, quoi. Allez, sortez. Ah, c'est fini. C'est fini, mes amis. On n'a pas tenu. On n'a pas réussi à gagner. On n'est pas ouf, hein. Pour le moment, on a une... Les joueurs font n'importe quoi, nous dit Antoine. Ouais, ouais. On peut dire ça comme ça. Bah après, on n'a pas marqué le deuxième. J'ai tout fait pour essayer de faire le break. Je savais que ça allait être... Après, on a été dominé en seconde. On n'a rien fait de particulier. On marque tôt, pourtant. Un bel beau but magnifique de la part d'Arcas. Frappe lourde, lucarne. Exploit personnel, quasiment. On voit ça, grosse frappe. Elle était bien, bien équilibrée hein, de la part d'Arcas. Là, je me suis dit, franchement, on fait une belle performance. On a eu d'autres occasions. Là, c'est Balogun. Là. Je crois que c'est une grosse occasion de Balogun. Oh non, peut-être piqué. Je crois qu'il en a eu une encore plus franche, je crois, Balogun. Avec une parade du gardien, mais énorme, quoi. Salut, Baptin. Game. Tu vas te faire rattraper au classement, nous dit Sim. Non, mais il y a assez d'avance. Mais bon, si on continue les mauvaises prestations comme ça, on n'arrive pas à prendre 3 points depuis quelques matchs, là. C'est un petit peu décevant. Après, il y a les équipes derrière ont du mal. Mais là, si Guingamp vient à gagner, on est à 5 points maintenant. S'il suffit qu'ils gagnent. Attends, on fait match nul, non? Ils sont peut-être à 4. Attends, on était à 2 points. Oui, il sera à 4 points. Ouais, c'est cette occasion de Balogun. Franchement, je pensais que c'était dedans. Hein. L'arrêt réflexe du gardien. Pff, il est en plat du pied face à face. Franchement, Balogun, là, je comprends pas que ça finisse pas au fond, quoi. Pff. On est en bonne forme, on n'y arrive pas. On voit Rice, là, c'était un broglio dans la surface. On a toujours des grosses pressions, on domine. Et la faute, hein, de... Qui a mis la balle derrière, là? Bah, c'est encore notre ami Lars Lucas Maï. Voilà, Lars Lucas Maï, bah, tu peux frapper dans tes mains comme ça, c'est de ta faute. Gars, ça part dans ton dos, tu la mets derrière. Là. Voilà. Puis 3 pas, là. On était tout proche du 2-1 pour eux, avec Paris, là. Reprise enchaînée. Barre était même pas au marquage. Et là, Rasiopi qui repousse. Ah, le but d'Arcas est beau. Ouais. Domination en termes d'occasion, on le voit. Pas forcément la possession, notamment en seconde où ça s'est complètement écroulé. C'était un peu mieux en première. Laura, homme du match. On n'a même pas l'homme du match, donc vous voyez, hein, c'est pas ouf les prestations pour notre équipe. Hein. Attaque axiale, c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait changer de système de jeu. Peut-être la fatigue des joueurs, je sais pas. On va voir les autres prestations. Qu'a fait Guingamp c'est surtout Toulouse. Il a gagné 3-0. Ça revient, Toulouse. Hein. Ça revient fort hein, derrière. Guingamp, ils peuvent pas avoir perdu deux fois. Ah, ils ont fait un nouveau match nul face à Rodez. Guingamp, perte de vitesse aussi. Donc, voilà. Mais bon, Toulouse revient bien. Hein. Ils sont à 5 points maintenant. 4 points, pardon. Donc, moi, il faut que je finisse dans les 6 premiers. Ah ouais, le 6ème et 9ème est à 9 points maintenant. Beaucoup de matchs nuls. Hein. Ils ont une meilleure attaque, mais pas de beaucoup, Guingamp. Hein. 45 buts. Tu arrêtes quand ton live? Bah là, maintenant, hein, je vais arrêter. Hein. 19h, c'est l'heure d'arrêter. Donc voilà, je ferai un vote sur l'onglet communauté. Vous l'avez aussi, hein, les votes hein, sur votre téléphone mobile. Vous savez, les votes YouTube pour sélectionner. Pour savoir si on sera sur FIFA, PES, si on sera sur les deux jeux, l'un avant l'autre. Je ferai quelques votes pour savoir le match du Barça face à Paris Saint-Germain demain. Donc voilà, on arrête là. Et on est quand même toujours deuxième. Derrière cette équipe de Guingamp, esprit d'équipe, oui, on sait que... Merci de mettre des trucs Konami où on ne peut pas lire les choses. Ce sera Le Havre, la prochaine opposition, peut-être qu'on fera même deux matchs. Le Havre et Chambly, Le Havre qui est cinquième. Attention, alors que Chambly, je pense que ce sera un parcours de santé face à Chambly qui est combien?
Jambi dernier, hein. Lanterne rouge, il faudra gagner dans ce déplacement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Olympique Lyonnais n'y arrive pas. Enchaîner 4 victoires sans victoire, 4 matchs sans victoire. Cref a commenté si nous avons laissé plier ce match, il ne reste plus qu'à sérieusement réagir et remporter la prochaine rencontre. Et Greenville, le joueur est essentiel au plan de jeu. Mais ils disent n'importe quoi dans ce truc. Greenville, je l'utilise même pas. C'est n'importe quoi cette Ligue des Masters aussi. Hein. Bon, ça c'était pour les recrutements. Mais je comprends pas, il parle de Greenville, j'utilise pas le gars. Pourtant, c'est attention, hein, c'est le joueur le plus important, attention. Et voilà, ouais, grand espoir, c'est bien. Jubilé programmé. A reçu l'honneur d'être parmi les adversaires sélectionnés pour le prochain match de gala. On peut s'attendre à un vrai spectacle. Quoi? C'est quoi ça, jubilé de quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le jubilé, là? N'importe quoi. Enfin bref, je vous quitte là-dessus, hein, jubilé, on va jubiler, allez, jubilons, et à demain. Bien évidemment, bonne soirée. Oh, des bisous, bien sûr.